Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour le test et la présentation du mode GT500 1998 sur Automobilista 2. Comme vous pouvez le voir, on va tester les trois voitures nippon, c'est-à-dire la Honda, la Nissan GT-R R34 et la célèbre Toyota Supra avec ses couleurs Castrol. Donc on va tester ça sur le circuit japonais de Suzuka. Donc je viens d'installer le jeu parce que j'ai changé de disque dur, du coup j'ai réinstallé le jeu et j'ai fait la découverte de ce mode qui me tient à cœur parce que fait les voitures de Gran Turismo 3 et j'ai beaucoup roulé sur Gran Turismo 3 avec cette voiture. D'ailleurs ma PS2 en a même rendu là, donc ces voitures là me tiennent vraiment à cœur, les GT. Attendez, j'ai oublié de faire un truc, comme j'ai réinstallé le jeu, je vais juste le faire là, vite fait. Rétrogradage, non, c'est où pour les caméras? Gauche, droite, ça c'est très important. Même si je suis tout seul, nickel. Donc voilà, alors je vais vous montrer la voiture qui est plutôt bien.
passer à la Toyota maintenant, la célèbre Toyota Supra. Donc le chargement, c'est un peu long. Hop, la Toyota, donc on va prendre la livrée, c'est ouais, la livrée de la Castrol, s'il vous plaît. Alors, on prend de la 36, hop, avec ses jantes qui sont super, cet aileron arrière mythique. Et un peu qui fait penser à la moto de Johann Zarco en 2024. Et oui, on en parle souvent avec Patrice, mais c'est vrai que la moto de Johann Zarco reprend ses couleurs et elle est plutôt jolie, même si elle n'est pas performante. Alors, j'allais dire, il n'y a pas de bruit.
Ouais, mais je suis un poil plus rapide. Franchement, je préfère son comportement à la Toyota. On va voir la Nissan maintenant. En tout cas, super mode encore une fois. Et je m'amuse plutôt bien là avec ces voitures. Hein. Allez, on va prendre ouais, en jaune, elle est jolie, tiens. Et c'est parti avec ce sponsor qui me fait penser, bah, c'est le même sponsor qu'a chez Penske en IndyCar là pour Indianapolis. Benzine, là, je sais pas quoi là. C'est parti, cette belle Nissan. Dans mes souvenirs, elle n'avait pas. Non, dans mes souvenirs, elle n'avait pas le pot d'échappement comme ça. Ouais, elle n'était pas comme ça dans mes souvenirs. C'est étrange ça. Entre l'intérieur et. Ouais, non, elle était. Bon, faudra que je regarde sur Aceto, tiens. Ça va.
Les autres voitures. Bon, je vais vous montrer les caméras extérieures. Donc voilà. Je vous dis merci. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous laisse avec cette magnifique Nissan en piste. Ciao ciao. Thank you.